Bonjour, je vais vous présenter un tour de magie. Donc d'abord il vous faut 32 cartes, 27 comme ça en rond, et 5 au milieu. Après je vais demander au spectateur de choisir un nombre plus haut que 5. Bah, je vais le faire moi vu que j'ai pas de spectateur. Donc je vais dire allez 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la carte du spectateur, c'est celle-là. Je vais la mettre de côté. Je prends les 31 cartes qui restent. Je vais mettre votre carte n'importe où dans le jeu. Et maintenant, je fais deux tas comme ça de 16 cartes. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc maintenant, je vais vous demander dans quelle taille est votre carte. Donc, vous me dites celui-là. Là, je prends ça et je vais positionner les cartes comme ça. Et je vais vous demander de choisir deux tas. Ces deux-là. D'accord. Maintenant, un seul tas, celui-là, moi je l'aime bien, on va le garder. Maintenant, deux cartes dans le tas. Ces deux-là. Bon, allez, on va les garder aussi. Maintenant, une seule carte, celle-là. Non. Et voilà. Votre 3 de carreau. Maintenant, je vais vous expliquer le tour. Donc, il faut prendre 32 cartes. Voilà, vous les positionnez comme ça, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et les 5 au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant qu'on prenne n'importe quel nombre, en fait, ça va toujours tomber sur la même carte. C'est-à-dire que si on prend par exemple 6... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est le 2 de carreau. Donc on peut prendre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça tombe toujours sur notre 2 de carreau. Donc après, il prend son nombre, on prend la carte. On va la mettre de côté. Après, on met la carte n'importe où. Voilà. Et après, on fait deux tas comme ça de 16 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, maintenant on fait l'autre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, après on demande dans quel tas est sa carte. Donc, il va nous dire celui-là. En fait, au début, quand on distribue les cartes, et ben, faut compter le nombre de cartes qu'il y a avant. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la huitième. Alors ça, on peut enlever, on n'en a plus besoin. Après, on les reprend bien dans le bon ordre, les cartes.
Et après, dans notre tête, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est celle-là. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc après, il va choisir deux tas, le spectateur. Donc par exemple, il choisit ces deux-là. Donc on va les enlever, vu que la carte elle est là. Mais s'il choisit ces deux-là, on va les garder. Donc par exemple, il choisit ces deux-là, on va les garder. Après, on fait pareil avec un tas, donc au final, on va enlever celui-là. Pareil pour deux cartes. Donc il choisit ces deux-là, on les enlève, il choisit ces deux-là, on les garde, donc on enlève. Et pareil toujours pour une carte. Donc forcément on va enlever celle-là. Et on retrouve notre 2 de carreau. Alors un petit tour de magie expliquée en musique par DJ Vince 99. Au revoir.